Bonjour Isabelle du pôle francophonie de la BFM de Limoges. Aujourd'hui, l'un de mes gros coups de cœur de la rentrée littéraire 2020, c'est Aline et les hommes de guerre de Karine Silla, paru aux éditions de l'Observatoire. Il s'agit d'une biographie romancée qui retrace le destin d'Aline Ciotet-Diatta, une héroïne de la résistance contre le colonialisme français en Casamance au Sénégal dans les années 40. Ce qui m'a plu évidemment, c'est la découverte de ce destin de femme charismatique, extraordinaire. Mais c'est surtout également le style très fluide, éminemment romanesque de Karine Silla que j'ai découvert à l'occasion. Et pourtant, c'est son quatrième roman. Alors, je trouve qu'il est dommage que ce titre soit passé sous les radars de la médiatisation à outrance. Il n'est pas passé sous les radars de la BFM. Alors, courez l'emprunter, vous ne le regretterez pas. À bientôt et bonne lecture.